Pour les proches de Delphine Jubilar, l'espoir demeure encore. Alors que du côté judiciaire, Cédric Jubilar est en attente pour la 7e fois de savoir s'il va pouvoir bénéficier d'une liberté conditionnelle ou non, les amis de la jeune femme disparue ont ce mardi 14 mars publié un texte sur Facebook pour mobiliser leur soutien à intensifier les recherches avant la future clôture de l'instruction. Nous allons être sur le terrain tous les jours à partir de dimanche, ont averti les trois jeunes femmes. Nous continuerons comme nous le faisons depuis plus de 2 ans, avec nos petits moyens, nos petits pieds, mais surtout avec la force de notre cœur, ont ajouté celles qui s'agaçaient il y a quelques jours d'un manque de réponse, avant de remercier toutes les personnes qui dans l'ombre ont poursuivi les recherches sans forcément avertir quiconque. Ce groupe nous donne de la force chaque jour, nous relève, et nous permet de ne pas lâcher même si le combat est dur, ont-elles ajouté avant d'appeler les soutiens à se battre à leur côté pour que vérité et justice soient rendues à Delphine, Louis et Elia. Un long message approuvé par leur petite communauté qui les a encouragés dans cette démarche et leur a prodigué de nouveaux conseils pour réussir au mieux ces nouvelles battues. Cédric Jubilar, bientôt libéré? Ce que les amis de la disparue en pensent du côté de la justice, plus de 2 ans après la disparition de Delphine Jubilar, le mystère reste entier sur de nombreux points. Alors que les enquêteurs pensaient avoir enfin une piste tangible, les derniers éléments de l'investigation et les analyses ADN prélevées ont réduit à néant leurs hypothèses, les replaçant à leur point de départ. Cédric Jubilar, toujours en détention provisoire depuis bientôt 2 ans, ne cesse de clamer son innocence, appuyé par ses avocats qui militent pour que le compagnon de la disparue puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle sous bracelet électronique. Une décision qui, si elle était prise, révulserait les amis de l'infirmière disparue, persuadés que l'homme de 35 ans détient des informations sur la localisation de leur ami, qu'il refuse de donner. Crédit photo, capture écran Facebook.